Quand ça dépasse l'entendement humain et tu t'élèves, c'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents? C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents? Venez voir qui a ici plus que Salomon. Chers téléspectateurs, ça dépend à l'ère à laquelle vous nous suivez à travers les réseaux sociaux, à la maison, chez vous. Et bonjour, bonsoir. Ceux qui sont en Australie nous suivent déjà, ils sont très tard la nuit. Bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de celui qui était, qui est et qui vient, notre Seigneur, le témoin fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons l'Éternel pour toutes les interventions qui passent à notre chaîne, la RTEE, depuis hier comme aujourd'hui. Nous avons été éblouis, bénis par la prédication de notre très cher papa, le doyen, le docteur Kalo Kabunda Albert. Et nous procédons comme ça, car il est écrit que la parole habite abondamment dans vos cœurs. Et nous voudrons vous partager ces morceaux de pain chaud tiré dans la corbeille de pluie la plus élevée. Et il est question de la prière. Quelle attitude devons-nous adopter pendant cette période? Après avoir écouté cet enseignement, nous vous prions de rester branchés. Ne zappez pas, car vous serez bénis de la part du Seigneur. Nous voulons un peu vous parler de la prière, l'attitude de la prière, l'attitude de la prière. Nous voulons vous exhorter par ça, car le Seigneur a dit dans sa parole, dans les saints livres de Jean, le chapitre 14, dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et nous allons lire quelques passages de la Bible et nous allons partager. Avant même de lire les 100 rouleaux, j'aimerais nous rappeler ce qui s'est passé dans la vie de notre frère. Nous croyons que c'est notre frère.
le frère, le prophète Job. Que dit l'écriture? Que dit l'écriture? La Bible dit ceci. Que lorsque Job était malade, lorsque Job souffrait, quand on l'a annoncé par les fouillards, je me pose la question, quel est cet homme-là qui ne meurt pas? Mais lui apporte que la nouvelle. Nous étions en ces lieux. Nous étions dans cet endroit. Lorsque les Sabéens se sont jetés sur nous. Lorsque le mal nous est arrivé. Lorsque le vent a soufflé. A touché les quatre piliers de la maison. Voici ce qui est arrivé à la suite. Je me suis échappé moi seul. Pour t'annoncer la nouvelle. Les saints rouleaux stipulent. Que après avoir entendu. Tous ces messages, Job s'exclama et dit que l'Éternel avait donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Voilà pourquoi une écriture dit qu'à chaque circonstance, louez l'Éternel. J'aimerais dire à un saint, à un honorable enfant de Dieu qui me suit à ce moment, de bénir l'Éternel à chaque moment, en tout temps. Parce que le frère Néhémie nous enseigne ceci. Lorsqu'il a appris que la ville où se trouvait le sépulcre de ses pères était brûlé, bousillé, il était contrit à lui-même, il était malheureux. Bon, il a résolu d'aller prier. J'aime l'attitude de Néhémie. Mon frère Abel, écoutez ceci. Ses frères Néhémie a commencé à pleurer. Il était vraiment touché. Mais j'aime la résolution. Néhémie trouva bon d'aller prier. Voilà pourquoi les frères Jacques dira ceci. Que celui qui est dans la joie loue l'Éternel. Mais celui qui souffre prie. Oh, je bénis l'entendement de tout un chacun. Là où tu es à la maison, je déclare que l'Éternel te bénisse. Et il dit, celui qui souffre prie. J'aime le frère Néhémie. Il a commencé à souffrir en lui-même. Et il a résolu d'aller prier. Mais quand il va prier, il commence d'abord à louer l'Éternel. Oh Dieu grand, toi qui es créateur de ciel et de terre. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, même quand vous manquez le pain, même quand le corps souffre, même quand tu as tout perdu, n'oubliez pas que tu respires, que tu es vivant. Alors que le prophète Salomon écrit, il dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Merci frère Paul. Quand il écrit aux Romains, au chapitre 5, le verset 5, le saint rouleau stipule. Oh, l'espérance ne trompe point. J'aimerais dire à quelqu'un, l'espérance ne trompe point. Là où tu me suis déjà bâti. Non seulement ces pandémies frappent le monde, mais déjà tu es chômeur. Non seulement ces pandémies frappent le monde, mais tu passes dans des moments très difficiles. Aujourd'hui les cinq, la plupart des bailleurs se sont rendus chez leurs locataires. Mais un frère s'est dit ce matin, je ne crois à payer. Mais j'aimerais te dire, l'espérance ne trompe pas. Toi qui me suis ce matin, cet après-midi, comprends ceci. Mais Job, pour qu'il soit restauré, Dieu est venu l'enseigner. Voilà pourquoi je t'exhorte à rester branché, à suivre la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la solution en dehors de la parole de Dieu. Il est écrit, dans l'air de détresse, ils s'inquiétaient. Non. Ils se lamentaient. Non.
Mais quelle attitude qu'ils avaient prise. Écoutez ce que dit le livre de la vérité. Le livre de la vérité dit ceci. Que ils invoquèrent l'Éternel dans leur détresse. Mais tu sais quoi, mon frère Ben? Dans Psaume 20, il est écrit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Alors, est-ce qu'on peut exaucer celui qui n'a pas prié? Il n'y a pas d'exaucement sans la prière. Par là, nous comprenons que le peuple a prié. Après avoir prié, la Bible dit Dieu a entendu. J'aime car Dieu entend. Je voudrais dire à quelqu'un, là où tu es, si tu pries, Dieu va t'écouter. Voilà pourquoi après ce mot, nous allons prier. Et l'Éternel qui nous a promis qu'il exaucera, il exaucera nos prières. J'aimerais t'inviter à comprendre ceci. La Bible dit, ils invoquèrent l'Éternel. Et il les a exaucés. Mais remarquez comment Dieu les a exaucés. Il envoya sa parole. Voilà pourquoi tu dois d'abord écouter. Dans des moments pareils, tu dois écouter la parole. Parce que la parole les a guéris. Malheur à ceux qui écoutent les prêcha. Le fruit des raisonnements que les autres appellent la révélation. Parce que en ce moment, tout le monde se sont fait des prophètes. Tout le monde se sont fait des prédicateurs, des donneurs de leçons. Chacun cherche à donner quelque chose. Mais celui qui écoute la parole de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, homme frère. Cet homme a écouté et après avoir entendu, il a vu. Et ces gens ont prié. Il leur envoya sa parole, la parole de figuier. Là où vous nous suivez, cette parole vous guérisse. Quelle que soit votre maladie, quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, la parole contient les promesses. Que la promesse de la guérison s'attache à toi au nom de Jésus. Nous allons lire le Saint-Rouleau, un livre de 2 Chroniques, chapitre 6. Et nous allons prier. Écoutez ce que dit la Bible. 2 Chroniques. Chapitre 6. Je vais prendre quelques passages. Je vais pas tout lire. Deux Chroniques, chapitre 6. Restez branchés car le Seigneur, il y a quoi à écouter. Que Dieu te bénisse là où tu es. Lorsque le temple fut construit, Salomon a fait cette prière que nous allons étudier dans quelques mots. Écoutez quelques phrases. Il dit dans le verset 5, « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fît bâtir une maison où résidait mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fît chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Et j'ai choisi David pour qu'il régna sur mon peuple d'Israël. David, mon père,
avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel. Le verset 12, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains. Verset 14, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans le ciel et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David. Mon père, est-ce que tu as déclaré de ta bouche? Tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Verset 20 dit ceci. Que tes yeux soient si jour et nuit ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit que là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prient, ils prieront en ces lieux. Exauce du lieu de ta demeure. Dieu exauce et pardonne. Quand ton peuple d'Israël sera bâti par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire en ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Je prends encore le verset 27, le verset 28. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand tu lui auras des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais les cœurs de chacun, car seul tu connais les cœurs des enfants des hommes, et ils te craindront pour marcher dans tes voies tous les temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand tu viendras prier dans cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué
convoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Que l'Éternel ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Que le Seigneur bénisse l'entendement de tout un chacun. Nous voulons expliquer quelque chose ici. Remarquez, homme frère, comment le frère Salomon est en train de prier. Après avoir construit la maison de l'Éternel. Parce que nulle part on a écrit le temple de Salomon. C'est le temple de l'Éternel. Nous disons ceci. Après avoir construit la maison. Le frère dira ceci. Il étendit ses mains. Et il a commencé à prier. En priant, il a lié la vie du peuple à ce temple. Il a lié la vie de tout Israélite, de tout le peuple à ce temple. Ce qui m'a étonné, il a lié même la vie des étrangers dans ce temple-là. C'est que personne ne peut réussir, ça c'est temple. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit même quand quelqu'un va pécher, s'il vient ici, il prie. Pardonne-le. Ah, mon frère. Ici, c'est le temple du pardon. Si quelqu'un sort dans la bataille et que l'ennemi le bat, s'il vient prier, Dieu va l'écouter. Et quand il ira, il va remporter la victoire. Mais si quelqu'un veut prier, mais il est loin, il ouvre la fenêtre où il s'étend vers Israël, vers Jérusalem, vers le lieu où la maison est là. Et il prie, Dieu va l'écouter. Est-ce que vous comprenez ça? Remarquez encore. Si un étranger vient là prier, quel que soit son problème, Dieu l'écoute. Maintenant, dans 2 Chroniques chapitre 7, Dieu se révèle à Salomon. Il lui dit, j'ai écouté ta prière, j'ai exaucé ta prière, j'ai choisi cette maison. Et je vais y résider mon nom. Et tout ce que tu as dit est validé. C'est qu'à tout moment où les gens viendront prier, même quand je frapperai, même quand je fermerai le ciel, si quelqu'un prie, ou tout le peuple prie, il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai. Et je l'exaucerai. Mais remarquez, on a encore prévu un verset puissant, puissant. La Bible dit, quand l'ennemi va siéger, quand la famine va venir, quand les problèmes vont arriver, même quand la maladie va frapper, si un frère prie, moi, j'exaucerai. S'ils sont nombreux, ils prient. Dieu va exaucer. Mais quel est ce temple-là qui est l'œil de l'Éternel, qui est à la fois l'oreille de l'Éternel? Parce que quand quelqu'un prie là, Dieu entend. Et les yeux de l'Éternel sont là. Oh, j'aimerais dire à un frère, nous sommes bénis d'avoir cet évangile. Et nous sommes bénis d'avoir Dieu comme notre refuge. Nous sommes bénis d'être la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi il a dit, il nous abandonnera jamais. Il nous délaissera jamais. Il sera toujours avec nous. Je veux dire à un saint qui me suit, tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu ne traverses pas seul les problèmes. Il est là. Merci frère David. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Oui. Même dans la vallée, dans les Sheol, dans les Rabès, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance. Mais quelle est l'assurance? L'Éternel est avec moi. Voilà pourquoi quand les problèmes t'arrivent, pose-toi d'abord la question. Est-ce que l'Éternel est avec moi? Si l'Éternel est avec toi, si Dieu est avec toi,
si tu es en accord avec cet évangile, ton corps, j'ai l'assurance, viens de me faire du mal. Si l'Éternel est avec toi, donne-toi la réponse, je sortirai dans cette situation. Je veux dire, quel que soit le temps difficile, tu sortiras de cette situation. La Bible dit, Dieu a exaucé la prière de Salomon. Que ce temple-là donnera le pardon, donnera la solution, la victoire à la guerre, la guérison à la maladie. C'est que tout problème qu'on a, la solution est là. Mais quand ce problème t'arrive, ne pleure pas, ne te lamente pas, va dans les lieux. Le problème, ce n'est pas de prier, mais de découvrir le lieu de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai toujours dit, on ne prie pas pour prier, mais on prie pour être exaucé. Mais pour être exaucé, il faut consulter le livre de l'Éternel. Et savoir comment prier, où prier, c'est très important. Parce que tout le monde pleure dans leur maison. Tout le monde crie de l'autre côté. Je suis au bout. C'est fini pour moi. Où irai-je? Toutes ces questions ont été répondues. Parce que quand Pierre a dit, à qui irons-nous? C'est à toi. C'est que l'endroit se réfugie à celui qui a la parole de la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, si les hommes t'abandonnent, ce n'est pas un problème. Parce que Jésus-Christ est là pour toi. Mais le mal, si le Seigneur t'abandonne. Mais remarquez, il y a encore une écriture qui dit dans Psaume que celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Et celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Mon frère Abel, si Dieu te donne l'œil, lui-même a l'œil. Si te donne l'oreille, lui-même aussi a l'oreille. Parce qu'il entend et parce qu'il voit. Mais un jour, nous confirmons que Dieu a l'œil. Parce qu'il y avait le problème en Égypte. Il y a un peuple qui crie à l'Éternel. Mais la Bible dit, Dieu est descendu. Il a dit à Moïse, je vis. Est-ce qu'on peut voir ça l'œil? Par cette écriture, nous comprenons que Dieu a les yeux. Et Proverbe 15, verset 3 dit, les yeux de l'Éternel sont à tout lieu pour voir le méchant et le bon. Même quand on créait le virus, Dieu le voyait. Même quand le diable concevait cela, Dieu le voyait. Mais si Dieu avait permis, parce qu'il avait la solution, parce qu'il était notre abri, s'il n'y a pas de problème, comment on saura que Dieu est un abri? Si on n'est pas rejeté, comment on comprendra que Dieu est la haute retraite? S'il n'y a pas de problème, comment on comprendra que Dieu peut donner la solution? Tout ce qui arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Il a suscité Pharaon à dessein pour sa gloire. Loin de moi la pensée d'un pointer un individu. Mais j'aimerais répondre avec les critiques. Parce que ce qu'elle dit, mon frère Abel, Dieu ne tue pas les méchants et les justes au même moment. Même lorsqu'il est venu à Sodome, il a pris Lot. Il a pris l'autre, il l'a sorti. Il a frappé. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais dire une chose. Que le moment est arrivé, que les gens comprennent qu'il faut se rattacher à Dieu. La Bible dit ceci. J'ai vu l'humiliation. J'ai entendu. Dieu à l'œil. Dieu à l'oreille. J'ai vu. C'est ça même. Léa qui était dans la souffrance, qui enfante Ribin. C'est ça Dieu vient dire, je vis.
J'ai entendu lorsqu'il a donné naissance à Siméon. Il dit, l'Éternel a entendu ma voix. Il dit, je suis descendu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit et il entend et il parle, il descend pour délivrer. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, quel que soit le cas, Dieu voit, Dieu connaît ton problème, Dieu voit la situation et il entend les prières et il nous exauce. Mais mon souci est que quelle attitude que nous devons adopter, c'est de bannir la peur et d'adopter l'attitude de la prière. Remarquez, il a lié la vie du peuple au temple. Mais quel est ce temple-là? Est-ce que devons-nous voyager en Israël pour aller prier dans ce temple là? D'ailleurs, c'est détruit. Je vois d'autres s'accrocher pour prier. Est-ce que devons nous voyager? D'autres n'ont pas de billets. Mais il y a une réponse. Quel est ce temple auquel on a lié la vie des gens, de tout le monde, d'un individu, d'un frère, d'une sœur, d'un peuple, même des étrangers? Lisons dans Jean chapitre 2, c'est facile à comprendre parce que nous voulons prier. On ne veut pas faire beaucoup de démarches pour vous compliquer l'entendement. Nous voulons vous rendre l'écoute simple. La Bible dit ceci. Le Juif, Jean chapitre 2, verset 18 à 20, prenant la parole, lui dit, quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours je les relèverai. Le Juif dit, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu les relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et il crie à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Gloire au Seigneur. Noir sur blanc, nous comprenons que le véritable temple que Salomon parlait, que nos vies sont liées, qui c'est le Seigneur Jésus, c'est que personne ne peut recevoir la vie, personne ne peut recevoir la guérison en dehors de ça. C'est que le véritable temple qui était construit mais qui devait être détruit, c'était le corps de Jésus. Que Dieu soit loué, parce que ce corps a été détruit. Et puis après trois jours, ça a été relevé. On parlait de la mort et de la résurrection de Jésus. Le temple là annoncé où les gens allaient prier. Parce que le frère Daniel, quand il était à Babylone, loin de cette ville, avant de prier, il regardait et priait. Et Dieu l'exaucait. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est que devons-nous faire? Où devons-nous regarder? Et pour prier? Non, il y a la réponse dans cette évangile. C'est qu'on a lié la vie du peuple. Voilà pourquoi lui-même, quand il est venu, il a lié aussi la vie de tout le monde à lui. Il a dit, je suis le vrai simple. Mon père est des vignerons. Vous êtes des sarments. Et à la fin, il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est qu'il a lié nos vies à lui. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que cet évangile explique la prophétie. Même quand le Seigneur dit, ne
vous inquiétez de rien. Il a poussé ça quelque part. Même quand il dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il a poussé ça quelque part. Parce que dans Deutéronome 20, il est écrit, lorsque vous verrez des choses, des chars, un grand peuple plus nombreux que vous, qui n'est plus nombreux que toi, ne crains rien, je serai avec toi. Mais le sacrificateur dira au peuple, ne craignez rien, que votre cœur ne se trouble pas, que votre foi ne défaille pas. Voilà pourquoi, quand Jésus a vu ce temps, que le diable va injecter son fils, que le temps difficile va arriver dans le monde, le problème va siéger. Et il a annoncé comme un prophète que votre cœur ne se trouble point. Et comme un modèle, tous les prédicateurs doivent le suivre pour dire au peuple de Dieu que votre cœur ne se trouble point. Alors que devons-nous faire? Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Car à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la vie. Il n'y aura pas l'aurore. C'est quoi l'aurore? Esaïe avait dit, pour l'amour de Sion, je ne mettrai point jusqu'à ce que son sali paraisse comme l'aurore. L'aurore, c'est le sali. Mais c'est quoi le sali? Simeon, poussé par l'esprit, il venait dans le temple et il a vu un enfant. Il prend l'enfant, il regarde le sein, il dit, je peux même la partir parce que mes yeux ont vu le sali. Le sali, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus. Mais si on ne le prêche pas la loi comme témoignage, il n'y aura pas le sali. Mais il a annoncé, il a dit ceci, que je sais que viendra des temps difficiles. Je sais que la maladie va frapper. Je sais que le Covid-19 y arrivera. Mais que votre cœur ne se trouble point. Déjà dans Jean 17, j'avais prié, ne les ôtez pas du monde, mais préservez-le du mal. Il y a déjà une écriture qui est la solution à ce problème. Il avait déjà dit de nous préserver du mal. Et il avait déjà dit, si vous voyez un démon corona venir, en mon nom vous chasserez ce démon. Voilà pourquoi je lève ma main et je déclare au nom de Jésus que ton cœur ne se trouble pas, que ce démon qui te frappe déjà en France, Australie, où serais-je encore? Fuis ton corps au nom de Jésus. Si déjà des gens guérissent de cette maladie sans la prière, c'est qu'au nom de Jésus, cette maladie peut fuir. La Bible dit que si seulement vous entrez, vous priez, vous aurez le pardon. Et j'aimerais dire, le lieu du pardon, c'est dans le temple. Or, ce temple-là, c'était le corps de Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'il marchait, il était vraiment le temple du pardon. Dans Marc chapitre 2, est-ce qu'on peut camper là-bas? Campons d'abord ici dans Marc, dans ce campement de Marc 2. Écoutez ce qui se passe. Il y avait 4 personnes qui portaient un paralytique. Ils arrivent à la porte. Ils avaient appris que Jésus était dans la vie. Quand vous apprenez qu'il y a un évangile dans la vie, venez écouter cet évangile. Ça va vous guérir. La Bible dit, ils avaient appris que Jésus était là. Ils sont venus. Mais comme il y avait la foule, ils ne pouvaient pas entrer. J'aime ça. Ils vont découvrir la fenêtre, le toit de la maison. Ils vont déposer ces paralytiques. Mais ils ne voyaient pas bien. Mais le paralytique est descendu au pied de Jésus. Maintenant la Bible dit quoi? Jésus voyant leur foi, je ne raisonne pas, parce que tout Dieu a mis tout par écrit. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, mon frère, il dit, Jésus voyant leur foi. Ce que Jésus explique, ce geste-là de jeter cet homme, c'était la foi. Mais la foi en quoi? Non.
avant que cet homme entre par là, il y a déjà qui sont sortis et entrés par là. Parce qu'il y avait la colombe qui est sortie par la même porte, même fenêtre, et il y avait le corbeau. Oh, j'aime ça. J'aimerais simplifier à dire que cette fois était lié à l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est lui qui a la foi, qui vient de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Cette foi lui produira le miracle. Parce qu'il y a la foi au salut, il y a la foi à l'enlèvement, mais il y a aussi la foi de la guérison. Oui, je crois, comme cette femme marche. Si tu étais ici, une fois dépassé, il croit que Jésus est mort pour moi, j'ai la cirrhose du salut. Il dit oui, il résistera. Il a la foi que je prendrai de nouveaux corps, je verrai l'éternel, je serai levé. Mais il y ramène dans le présent. Il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est la foi au miracle. Il faut croire que Jésus-Christ guérit. Il faut croire que Jésus sauve. Parce que ce nom-là n'a pas que la mission de sauver. Parce qu'il n'y a pas le sali en dehors du nom de Jésus. Mais aussi, ce nom-là guérit. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis au nom de Jésus que la maladie disparaisse dans ton corps. Au nom de Jésus, que le combat fuit ta vie au nom de Jésus. Quand on l'a déposé, au lieu de lui donner directement la guérison, Jésus dit que je suis le temple de Salomon, le temple de l'Éternel. Je suis le temple du pardon. Que tes péchés soient pardonnés. Oh, je dis à mes frères qui vivent encore dans le péché, voici le moment pour toi de te repentir, de croire à cet évangile, de croire en Jésus, d'abandonner le péché, et un jour tu verras l'Éternel. Il était le temple du pardon. Si quelqu'un prie à Jésus, il aura le pardon. C'est lui le temple là. Nous allons vous prier avec vous. Et vous allez avoir la solution. Parce que vous avez compris la parole. La Bible dit, si quelqu'un vient prier là, il aura le pardon. Mais quel est ce temple? C'est ça Jésus. Et quand on a amené un paralytique, il dit que tes péchés soient pardonnés. Les gens ont dit dans leur cœur, quel est cet homme qui peut même pardonner? Comme il avait tous les dons, même la parole de connaissance, le discernement des esprits, il connut dans son esprit ce qu'il disait dans leur pensée. Il dit, je suis un prophète. Il dit, pourquoi étonnez-vous? Le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. C'était une preuve tangible. Il était le temple de l'Éternel, le véritable temple du pardon. C'était le Seigneur Jésus. Quel que soit tes péchés, il pardonne. Quel que soit tes péchés, il te pardonne. Parce que c'est le temple du pardon. La Bible dit, quand quelqu'un péchera, viendra prier là-bas, il aura le pardon. Et ils ont compris que le temple venait de venir portatif. Le temple marche. Ils sont entrés dans ce temple qu'on appelle Jésus. Et ils ont reçu le pardon. Et après, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. J'aime ça. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es pire à cause de la parole que tu as. Mais si tes paroles ne te donnent pas seulement le pardon, c'est aussi un lieu où il guérit la maladie, où il donne la solution au problème. Il dit, lève-toi et marche. C'est que c'est un temple de solution, de guérison. Et il a reçu la guérison. Oh, si nous prions au nom de Jésus, je vous dis que nous aurons la guérison, nous aurons le pardon, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Mais à la fin, la vie éternelle. La Bible dit, il a pris encore son lit, il marche avec. J'aime ça. Pour que quand il sera devant la tentation, il regarde là où Jésus l'a pris. Il dit, non, je ne veux plus retourner dans ces lits. Je ne veux plus pécher. Mais il y a d'autres gens qui continuent toujours à pécher.
Même les prostituées ont dit que nous portons les masques. Atako bandumba babi tozola ta masque. Et ils continuent toujours. Bazoko baneko bona bango. Et d'autres ont dit que c'est le jugement de Dieu. Mais pour ramener les gens à la repentance. Tout ça, ce sont des raisonnements. Mais nous disons ceci à tous les enfants de Dieu, de partout où vous êtes, Jésus est la solution à ces problèmes. Et la Bible dit, je veux parler comme Moïse, devant la mer, il y avait Pharaon derrière, il a compris trois choses, que l'Éternel était vivant. Deuxième chose, il était derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Troisième chose, qu'il fallait prier. La Bible dit, Moïse crie à l'Éternel, quelle attitude. Je vais dire même au pasteur, je vais dire au serviteur de Dieu de prier. Quand il a prié, Dieu lui a dit au peuple de marcher. Oh, nous nous disons, quel que soit le corona, quelles que soient les situations, nous continuons à marcher avec le Seigneur. Nous continuons à donner les vies, nous continuons à prier, nous continuons avec l'Éternel. Parce que notre Dieu n'est pas seulement notre Dieu dans l'abondance. Parce que lui savait que le problème arrivera, les situations difficiles nous arriveront, mais il nous a dit, les enfants d'Israël marcheront le jour comme la nuit. Ils marchaient le jour comme la nuit, mais la colonne de nuit était là le jour, la colonne de feu était là la nuit. Oui, pour accomplir que mes yeux seront continuellement ouverts sur vous jour et nuit. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste jour et nuit. Jour comme la colonne de nuit, la nuit comme la colonne de feu. Et l'Éternel était là pour accomplir son passage. Que je ne vous abandonnerai point. Je vais dire à quelqu'un, si le problème arrive le jour, il est là. Si le problème arrive la nuit, il est là. Mais n'arrêtez pas à marcher. N'arrêtez pas à prier. N'arrêtez pas à adorer l'Éternel. Parce que Dieu, nous devons l'aimer à tout temps. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous devons toujours savoir que nous ne pouvons pas prier que puisque le problème n'arrive pas. Mais nous devons prier quand le problème arrive, que Dieu donne la solution. Si tu passes par des moments difficiles, prie. C'est lui qui souffre plus. Mais comment? Prie en Jésus. Prie dans la parole. Je te dis, il y aura l'exaucement. J'aimerais te dire encore. Il a dit, même les étrangers, à cause de la grandeur de ton nom. Oh, j'aimerais dire, là où tout le monde, que ce soit les nations, que ce soit Israël, ont eu l'accès auprès du Père. Il est venu annoncer la paix qui était près d'Israël et à nous qui étions loin, afin que nous ayons les uns les autres l'accès auprès du Père. J'aimerais vous dire, il a déjà annoncé les salis des nations. Et aujourd'hui, je vais parler comme l'Église, que même les païens se peuvent l'exaucer. Mais pour hériter le royaume des cieux, tu dois croire à la chose, tu dois croire à l'évangile. Peu importe la difficulté que tu as, là où tu es, à cause de la grandeur du nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Même si tu me suis à l'hôpital, les médecins aussi ont peur d'être contaminés. Mais Jésus n'a pas peur de venir vers toi. Parce qu'il y avait des lépreux qui sont venus dans ces temples. Ils ont dit, si tu veux, tu peux nous rendre pire. Il est écrit, Jésus le toucha et il fut purifié de la lèpre. Oh, mon frère, est-ce que tu sais une chose? Que la lèpre aussi était contagieuse. Jésus les a touchés. Il n'a pas peur de toucher le lépreux. Lui, celui qui a le Covid, il n'a pas peur d'être contaminé. Parce que lui sait, s'il te touche, c'est lui qui te contamine la guérison. Je prie que le nom de Dieu te guérisse là où tu es. Que sa main te touche là où tu es. N'arrête pas à croire. N'arrête pas à s'accrocher du Seigneur. N'abandonne pas la foi.
Oh non, j'ai perdu mes deux enfants. Mais Job en a perdu combien? Tous les enfants sont même les mêmes jours. Tu n'es pas plus que lui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais si Dieu l'a restitué, il va aussi te combler. Ce qui t'arrive a déjà été. Mais comme il était hier, la solution, le secours qui ne manque point au temps de détresse à nos frères, il est le même aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus. Entre dans ce temple. Crois seulement. Si tu es loin, on a dit ne pas courir. Regarde seulement. Mais c'est quoi regarder? C'est quoi regarder? La Bible dit, quand le serpent brillait avait mordi les enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse, fais toi ça pas d'erreur. Quiconque les regardera sera guéri. Ah bon? Si tu regardes seulement, mais c'est quoi regarder? Oh. Maintenant Jésus vient expliquer que ne comprenez pas ça en français. Parce que la Bible n'est pas écrite en français. Voilà pourquoi je ne prêche pas aussi en français. Je suis en train de prêcher en langue. De Cana. Donc la langue, c'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Il dit ceci. De même que Moïse avait levé le serpent dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Au lieu de dire quiconque regardera, mais dit quiconque croit. Ah, nous comprenons. Regardez, c'est quoi? Que le Seigneur vous bénisse. C'est que regarder, c'est quoi? Quiconque croit, cela veut dire quiconque regarde. Même si là où tu es, il n'y a pas un pasteur. Tu es loin de l'église. Mais Dieu, si tu crois, tu seras guéri. Oh mon frère Abel, écoute ça. Mais écoutez ça. La femme de père de sang, impure qu'elle était, ne pouvait pas aller au temple. Mais cela n'a pas empêché Jésus de lui donner la guérison. Mais ce jour-là, Jésus est sorti du temple avec sa robe. Mais Jésus attend. Mais toi, tu es sacrificateur. Tu ne peux pas sortir avec ta robe. Parce que c'est quel 45, 25 lit que tu ne peux pas sortir de peur que tu souilles ou tu guérisses les gens. Mais Jésus répond, je suis aussi roi. Je peux sortir parce que je suis Melchizedek. Je suis roi et sacrificateur. Mais je sors avec mon vêtement. Il dit le sacrificateur ne peut que se souiller pour une fille. Ah, voilà pourquoi. Quand la femme a regardé, cela veut dire elle a crié. Elle a touché le bord du vêtement. Elle a été guérie. Elle a réussi la vie. Parce qu'au bord du vêtement, Ézéchiel a l'habitude de mettre les cheveux. Je ne suis pas là-bas. Je vous l'ai dit. Quand elle a crié, elle a été guérie. Pourquoi? Jésus à la fin lui dit, ma fille, c'est pour nous ramener à Ézéchiel. Il y a toujours la provenance. C'est que je me suis souillé. Je suis sorti pour une fille qui est souillée et tu as été purifié. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es loin parce que tu ne peux pas venir à l'église, mais tu peux regarder, tu peux croire. Jésus. Tu peux lever tes regards vers celui qui est mort à la croix. Celui qui a vaincu la maladie, qui a vaincu le sorcier, qui a vaincu les démons. N'est-ce pas qu'il est écrit? Par ses méprises, nous sommes guéris. Sois guéri au nom de Jésus. Vous savez le but du diable, c'est que le nom de Jésus soit effacé dans la bouche des saints. Il faut faire très attention. Il faut élever le nom de Jésus au-dessus de tout, même au-dessus de ces petits démons appelés coronavirus. Voilà pourquoi nous disons le nom là était dans ce temple là. C'est le nom là, c'était toute une personne, c'est tout un Dieu qui habitait dans ce temple, dans ce corps de Jésus, pour guérir, écouter nos prières, restaurer nos vies. Si tu regardes aussi, aujourd'hui là où tu es, regarde seulement. Tu es loin, regarde. Tu es étranger. Tu dis que moi je ne connais pas Dieu.
Moi je ne suis pas frère. Quel sera mon sort? Tu as écouté la parole, tu as écouté. Crois seulement. Tu seras guéri. Crois seulement. Et quand tu pries, tu dois avoir la foi. Parce que la Bible dit, la prière de la foi se fera. Il y a des gens qui prient tout en temps. Si David avait vaincu Goliath, c'est parce qu'il avait d'abord vaincu la prière. Tout le monde reculait, mais lui avançait. Parce que la Bible dit, les justes ont de l'assurance comme un jeune lion. Alors le lion ne recule point devant quoi que ce soit. Même devant le coronavirus, Jésus ne peut pas reculer. Nous tous qui sommes derrière Jésus, nous ne pouvons jamais reculer. Parce qu'à son seul aspect, les gens sont terrassés. Je dis au nom de Jésus-Christ, ne tremble pas. N'aie pas peur. Dieu est vivant. Ton Jésus est vivant. Moïse a dit, si vous me demandez, qui m'a envoyé, qu'est-ce que je dirais? Biller, je suis celui qui suit, qui vient. Dans la profondeur de langue hébraïque, ça veut dire quoi? Je suis celui qui devient, tout en restant celui qu'il est. Aujourd'hui, là où tu es, que Jésus devienne la solution à ton problème. Qu'il devienne la solution à ta situation. Qu'il devienne la solution à la situation de ta famille. Parce qu'il a dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Quelqu'un me suit, il dit, mais ma sœur est en Europe, ma sœur est aux États-Unis, elle est en pleine Covid. Je te dis ceci, Jérémie connaissait que tu auras des frères loin. Dans Jérémie 23, 23, il est écrit, Dieu réclame, ne suis-je pas un Dieu de loin que de près? Vous avez limité Dieu comme le Dieu de près. Bien que dans la prophétie, il annonçait aussi que je ne suis pas seulement le Dieu d'Israël, il y a aussi un autre peuple qui entrera dans ces choses. Mais j'aimerais te dire, car l'écriture est utile pour l'instruire, que là où tu es, même si ton frère est loin, Dieu s'éteint de loin. Sa main n'est pas courte pour toucher le frère qui est aux États-Unis, qui est très loin là-bas. Dieu va les épargner. Celui qui est déjà atteint, Dieu peut guérir cela. De quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Mais quand tu pries, prie avec la foi, tout en sachant que le lieu dans lequel je me tiens, les yeux de l'Éternel sont continuellement ouverts. L'oreille de l'Éternel est attentive. La Bible dit l'oreille est attentive à la prière. Prie avec foi, tu verras le Seigneur agir. Parce que si tu regardes, si tu crois, tu auras la solution. Parce que lui est déjà élevé à la croix. Il a vaincu. Vous savez, lorsque l'Éternel devait frapper, il a demandé aux enfants d'Israël de tuer un agneau ou un chevron. Parce qu'il n'y avait pas que l'agneau, il y avait aussi les chevrons. Mais vous mettez le sang sur le lenteau et vous vous cachez. Toi qui invoque encore le sang, désolé pour toi, mais ceux qui sont déjà sous le sang, sous l'alliance, je vous dis, vous êtes errés. Parce que vous êtes une maison qui est vêtue de cramoisies, où le Covid ne peut pas entrer et résister là. Ça fuira. Et quand ils étaient là-bas, ils n'étaient pas dehors. Ils avaient respecté les consignes. Quand nous prions, nous prions aussi avec intelligence. Protégez-vous. Suivez tout ce qu'on a dit. Tout en demeurant dans l'attitude de la prière. Même dans l'isolement, demeurez dans la prière. Et Dieu du ciel nous donnera les solutions. Et nous sortirons de cet état. Et Dieu éprouve aussi la foi de plusieurs. Il y a d'autres qui réclament la prière, mais ils ne venaient pas aussi quand on priait. Mais ils commencent maintenant à regretter. Oui, ramène-toi, sois connecté. Nous voulons prier là où tu es pendant une minute. J'aimerais que tu pries avec moi.
Sache que c'est le temps pour le pardon. Tu es culpabilisé, tu te dis comment je vais prier, je vais prier. La réponse est que le lieu dans lequel tu te tiens, en Jésus, il y a le pardon, il y a la miséricorde. Il est le véritable Jacob. Même s'il n'a pas pleuré devant les bergers, mais devant Rachel, il a pleuré. Même si devant Marthe, il n'a pas pleuré, mais devant Marie, elle a pleuré. C'est pour montrer que les yeux de la miséricorde étaient là. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui fait, mais de celui qui fait miséricorde. Il est là pour te pardonner. Même si ton problème ne te permet plus même de croire, mais à cause de cette parole, fais comme Pierre. Il dit, moi-même je suis fatigué, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alors je t'invite à prier avec moi. C'est lui qui souffre, prie. Si tu penses que tu es dans la joie, adore l'Éternel ou intercède pour ceux qui souffrent. J'aimerais que tu pries là où tu es. Que tu te répandes, toi qui t'es senti concerné. Mais le temple du pardon est là. Et toi aussi qui es touché, qui crois, quelle que soit une autre maladie qui te frappe, une autre situation qui te prend, qui te dit vraiment je suis au bout, je te dis, ce n'est pas impossible. Il y a la guérison. Commence à prier. Oh Père Saint, je prie pour mes frères qui me suivent en ligne. Tu es le Dieu de loin et de près. Et tends ta main et guéris les Seigneurs. Donne la solution. Je crois que même dans des temps difficiles, tu peux bénir. La Bible dit que tu as marché dans le feu avec Shadrach, Meshach et Abednego. Mais lorsqu'on a sorti les gens dans le feu, on a sorti que les trois personnes. Mais toi, tu étais resté parce que tu savais que moi aussi, je serais jeté. Oh, j'aimerais dire que celui-là, c'est lui qui nous a promis même, quand on marchera dans le feu, la flamme ne nous embrassera pas parce qu'il sera là. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un là, que tu es guéri là où tu es. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu secoue ta famille. Que Dieu secoue tous les saints. Que Dieu soit le soutien de tous les hommes de Dieu. Ce n'est pas le moment d'être bavard, de critiquer, de s'asseoir pour parler. Mais c'est le moment d'être dans l'attitude de la sainteté, de la sanctification, d'être dans la vie de la méditation de la parole, dans la prière. Vaquer dans la prière, quel que soit le temps difficile. Parce que ce temple donne la solution. Si tu pries en Jésus, tu peux monter à la montagne. Si tu n'es pas en Jésus, c'est rien. Mais si tu es en Jésus, le Seigneur partout où tu es, il y a la solution. Le lieu de l'exaucement, le lieu où Dieu écoute, le lieu où le Seigneur considère nos prières, c'est dans l'enseignement. Jésus aujourd'hui, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Si tu es dans cet enseignement, tu as la solution. C'est le célibat qui t'inquiète. C'est quoi? Tu as peur parce que ton visa est expiré alors que tu devais voyager. Mais toi qui as raté le voyage, peut-être tu serais mort là-bas. Tu as compris pourquoi Dieu n'a pas voulu que tu partes. J'aimerais dire à quelqu'un qui est là, il s'est dit, mais je ne suis pas digne. Mes péchés pèsent sur moi. Que Jésus te décharge. Décharge de tout ton souci sur lui. Comme on nous a dit avant ici, que Jésus guérit. Dans le nom de Jésus, je prie au Père, prie là où tu es. Repousse ces vents au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parce qu'il est écrit même quand la famine viendra, la maladie, ou l'ennemi viendra siéger. Si nous prions, Dieu va nous donner la solution. Même si le diable a soufflé un vent, mais par la prière, il y a la solution. Par la prière, nous avons la victoire sur le diable. Parce que nous marchons sur lui. Aucune puissance de l'ennemi pourra nous vaincre. L'ennemi a siégé tous les pays du monde. L'ennemi a siégé beaucoup de gens. Mais il y a des endroits où ça n'a pas entré. Pour dire que l'œil de l'Éternel contrôle. Je prie au nom de Jésus. Comme il a dit, même quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Même quand l'ennemi siégera sur vous. Même quand la maladie arrivera. Si nous prions dans ce temple. Si nous croyons toujours à Jésus. Si nous lui faisons confiance. Nous lui recommandons nos sorts. Il agira. Agis Seigneur, selon ta parole. Oh Dieu, restaure ceux qui nous suivent. Restaure nos familles. Mets la paix dans ce pays, partout dans le monde. Que ces démons libèrent la vie des gens. Au nom de Jésus, que la paix règne dans nos demeures. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Que la paix, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus. Amen. Restez branchés. Vous serez bénis à ces chaînes. Amen. Quand ça dépasse l'entendement humain et tu t'élèves, c'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents? C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents? Qui obéissent du vent et tempête.